Donc c'est une vidéo que vous attendez depuis longtemps parce qu'elle est prévue depuis longtemps. Donc on est avec bébé Thiago. Thiago, tu dis bonjour. Bonjour. Et donc c'est le swap avec Manflower Blog. Donc le carton est là, mais je vais couper le temps d'enlever nos noms, etc. Et avec Thiago, c'est pas facile. Rentre-moi ta langue, toi. Rentre-moi ta petite langue. Donc voilà, c'est un swap un petit peu particulier parce que peut-être que quand vous verrez ma vidéo, vous aurez vu sa vidéo. C'est un swap uniquement de livres. Donc voilà, donc Thiago il est un petit peu surexcité. Donc voilà, je vous prends tout à l'heure. Alors, c'est un petit peu compliqué parce que Thiago il est impatient. Donc quand on ouvre, c'est super bien emballé. Ça se présente comme ça, donc c'est un papier de soie. Oh, c'est beau. Bon, Thiago, il n'est pas très coopératif. Mais Thiago, pour tenir en place, c'est un petit peu compliqué. Donc, il va faire des va-et-vient. Et voilà. Donc, il y a un super beau papier cadeau comme ça. C'est beau. C'était pour cacher le tout. Oh là là! On a plein de belles choses. Séverine, elle a fait du scrap. Donc, c'est un joli papier cadeau pour couvrir, je pense, ou pour protéger, je sais pas. Donc... qu'est-ce que tu fais? Elle est trop cool. Donc elle m'a écrit une carte, mais ça c'est personnel. Donc voilà, elle est super belle. Elle a mis des petits hiboux en bois, des petites chenilles et tout. C'est très 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 beau. Donc voilà, elle a fait ça en scrap, mais ça c'est perso, je la garderai pour moi. Alors ensuite, on a... touche pas à ça chérie parce que c'est très fragile. On a le menu, donc faut que je prenne dans l'ordre des cadeaux. Oh là là, il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Regarde, Thiago, tous les cadeaux. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hein. Alors, tout est bien protégé en tout cas. T'es plus doué que moi pour l'emballage de cadeaux. Alors, le numéro 1. Il est où le numéro 1? Yo. Je cherche. Je comprends pas. Je trouve pas le numéro 1. Ah si, je l'ai trouvé. Regarde Thiago le cadeau. Donc le numéro 1, il s'appelle On part en voyage Chouchou. Donc, j'imagine que c'est un livre sur les trains. Thiago, mets-toi de l'autre côté. Voilà. On ouvre le cadeau, tiens. Ouvre le cadeau, regarde. Donc cette vidéo, elle risque d'être un petit peu longue parce que comme je suis avec Thiago et qu'il se met devant la caméra, évidemment. Donc, qu'est-ce qu'on a? Un beau papier cadeau vert déjà. Oh, regarde! Mais oui! C'est quoi? Oui, c'est un train. Tu fais voir? Tu fais voir à la caméra ton beau livre? Fais voir à la caméra ton beau livre, regarde. Oui. Le livre, oui. Donc, c'est la collection Petit Garçon et c'est le train de Bastien. Et Thiago, il ne l'a pas celui-là. Bah, il me l'a arraché les mains. Merci, dis merci. Oh, t'es gentil. Ça te fait plaisir, tu es content. Donc c'est un livre. Attends deux secondes. Maman te le redonne, d'accord? C'est le train de Bastien. Donc il en a toute une collection, mais il n'avait pas celui-là. Oui, c'est un train, mon cœur. Donc voilà, il est très content parce que Thiago, c'est un amoureux des trains. C'est un truc de fou. Donc voilà. Tiens mon loulou, tu peux regarder le livre si tu veux. Oh, un train! Il est comme ça. Oh, un train! Alors, le numéro 2, peut-être que cela aidera Thiago. Est-ce que c'est pas un truc pour faire dodo, ça? Je me demande. Parce que le seul gros problème que j'ai avec Thiago, c'est le dodo. Bon, bah, et Thiago, il est parti avec son livre. Regarde, Thiago, il y a encore un cadeau, regarde. Viens. C'est quoi? Qu'est-ce que je vois? Le repas. Ah oui, le repas, c'est vrai. Waouh, regarde, c'est quoi, ça? Regarde, non mais lui il joue avec le papier cadeau. Regarde, c'est des pâtes. Et ça c'est quoi? Carottes, oui. Et ça c'est quoi? Ça tu connais pas trop un peu. Bonbons. Non, c'est pas des bonbons, c'est petits pois. Et ça c'est quoi? Cuillère. Cuillère, c'est bien. Oh, super. Tiens, un radis rose, c'est délicieux avec du beurre et du sel. Sais-tu d'où viennent les radis? Et en fait, ça s'ouvre comme ça. Oh, c'est trop cool.
C'est un imagier comme ça et ça s'ouvre. Ah. Comme ça, c'est trop cool. Voici d'autres légumes, la carotte mangée par le lapin. Ah, c'est trop chouette. La tomate avec les pépins et tout. C'est canon ce livre. Je connais pas la collection. Ah, c'est Gallimard Jeunesse. Eh ben, il est super chouette ce livre. Je ne connaissais pas. Merci, en tout cas, c'est une belle découverte. Waouh, c'est chouette. C'est quoi ça? Biberon. Oui, c'est un biberon. Juste tiède. Regarde, on peut ouvrir. On ouvre doucement. Hein. Et ça, c'est quoi? Oui, c'est un biberon, mais ça, c'est quoi? Chien. Non, c'est pas un chien, c'est une vache. Mais bon, on y était presque. C'est trop chouette, le lait qu'il y a dans le biberon vient de la vache. Il est génial bébé, ce lait. Oui, il y a un bébé vache. Oui, et les biberons. Mais par contre, on voit plus la caméra, mon chat. Ah, c'est super ce livre. Donc, Thiago, il est un petit peu brut en ce moment. Donc, je vais le mettre de côté et le lire que avec lui parce que sinon, il va me ruiner les pages. Oui, c'est un biberon comme toi. Ah, c'est super chouette. Parce que ça approche malgré tout. C'est le numéro 3. Ça approche malgré tout. Qu'est-ce qui approche malgré tout? Oh, Patrick. Qu'est-ce que c'est? Il voit le cadeau, il me dit qu'est-ce que c'est? En plus, elle a fait des belles petites étiquettes et tout. Moi, j'ai pas été aussi douée. Hein. Mais il est super ton soif. Attends, le mien à côté, il est ridicule. J'ai presque honte. Oui, 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 c'est bientôt fini. Oh, regarde! Tu connais pas ça, ces petits loups prépare Noël. Mais oui. Oui, le Père Noël. Ça, c'est quoi? Petit. Bah, tu me dis merci, tu veux regarder? Donc, c'est la collection Petit Loup, donc je sais pas si vous connaissez. Oh, c'est super chouette. En plus, je connaissais pas trop, j'avais déjà entendu parler, mais je connaissais... Oula, désolée. J'ai un nain à côté de moi, alors pour expliquer, c'est un petit peu compliqué. Mais les pages sont plastifiées, donc il ne peut pas les déchirer. Ah, oh, c'est chouette. Ah, oh, trop cool. Et puis, il y a une page tous les 2-3 jours. C'est cool. C'est comment? C'est cool. Il boit son biberon, il a soif, il veut boire de l'eau. Regarde le petit livre. Tiens. Et tu dis merci à Juliette et à Sébrine. Tu dis... Juliette? Oui, Juliette, tu dis merci. Juliette? Ben oui, c'est Juliette qui a... et sa maman qui ont acheté. Tu dis merci? Merci. T'es gentil. Bon, Thiago, il est petit encore pour rester bien calme et tout. Alors du coup, il s'est un peu dispersé. Comme ça, il sera prêt. Donc c'est le numéro 4. Comme ça, il sera prêt. Il sera prêt, il sera prêt. Prêt à quoi? À l'école? Il sera prêt. Ta-ta-ta-ta. Sur la chaîne, je suis en essai bébé, mais j'ai pas envie qu'on m'en parle parce que depuis que j'ai dit ça, tous les jours on me demande bon alors t'es enceinte, donc non, ça prend pas comme ça, ça prend du temps. Et de toute façon, le jour où j'y serai, je vous l'annoncerai, mais j'aimerais bien qu'on arrête avec ça. Donc voilà, je l'ai dit en live déjà, mais bon. Voilà. Donc ce petit loup devient grand frère, et lui j'entends grand frère, grand frère. Ah, c'est trop chou, regarde bébé. Petit loup devient grand frère. Regarde, ça c'est grand loup et bébé loup. Tiens. Dodo. Oui, il fait dodo. C'est vrai. Regarde. Et c'est pareil, les pages, elles sont plastifiées. Donc, ah, c'est chouette. C'est chouette. C'est chouette. Comment tu dis c'est chouette? C'est chouette. C'est chouette. Biberon. Oui, c'est un biberon. Regarde. Oh, qu'est-ce qu'il fait, petit loup? Qu'est-ce qu'il fait? Un terre. Qu'est-ce qu'il fait, petit loup? C'est quoi ça? Un bonbon. Mais c'est pas un bonbon, c'est le bain. Il fait son bain.
T'es impressionnée, toi, hein? T'es pas habituée. Oh, c'est quoi ça? Attends. C'est quoi ça? Un objet. Quoi? Mais un oiseau. Oui, tiens. Merci beaucoup. Alors, je dis tout le temps merci, mais je vais faire un merci général et je t'enverrai un message en privé. Parce que ça va saouler les gens si je dis merci tout le temps. Alors, qu'est-ce que je raconte? 5, il est parfois dur de les comprendre avec plein de smileys, genre content, pas content, j'arrive pas à faire le W et le... Voilà. Il est parfois dur de les comprendre. Numéro 5. Mais toi, tu m'as fait plus de cadeaux que moi. Maintenant, mon swap, il a l'air ridicule à côté du tien. Il est trop bien. Alors. Ah, oh, trop chouette. Regarde, Thiago. Ah, c'est chouette, je connaissais pas ça. En fait, il avait un livre comme ça. C'était un comme un coffret, mais qui se refermait. Et à l'intérieur, il y avait plein de petits livres. C'était par exemple les habits, les légumes, les fruits. Ah, oh, mais c'est chouette. Et là, c'est sur les... Comment ça s'appelle? Pas les sensations, mais les... Les émotions, voilà. Oh, c'est chouette. Attends, on va l'ouvrir, bébé, regarde. Alors, attends, parce que je crois que dans le magasin, ils n'ont pas voulu qu'on soit des voleurs. Ils ont tous scotché partout. Parce que c'est vrai que quitte à voler quelque chose, autant voler un livre. Hein, on est bien connu. Quitte à aller en prison, autant que ce soit pour un livre. Ah, je vous jure. Alors. Oui, c'est une pomme de terre. Il est avec son livre des repas et il me dit... Les... Tomates, oui, c'est bien, chérie. Tomates. Oui, c'est bien, mon cœur. Alors, j'ai un petit peu du mal à l'ouvrir, c'est un peu long. Ah, je suis contente. Bon, où que c'est que j'en ai oublié un? Je suis ninuche, hein. C'est canon, ce truc. Je connaissais pas du tout ce genre de livre avec les émotions et tout. Enfin, je savais qu'il y avait des livres pour exprimer les émotions. Donc ça se présente comme ça, mais c'est trop chouette. C'est un petit coffret comme ça, avec toutes les émotions. C'est trop cool. Et à l'intérieur, c'est un imagier avec des histoires. Oh, c'est chouette. Et ça, c'est en grosse page, donc c'est pas fragile du tout. Oh, c'est canon. Donc il y a... Bon, regarde. Bon, oui, c'est bon. Regarde. Les petits livres en colère. C'est quoi ça? Un petit lapin, il est rouge de colère. Alors, attends, parce que Thiago, du coup, il veut jouer avec. Tiens. Tu dis merci à Séverine. Séverine, là, à la caméra. Merci. Désolé, bon, je te remercie à sa place. Donc, il y a très amoureux. Quelle peur, toujours joyeux, si triste, trop jalouse. Et le dernier, c'est en colère. Oh, donc ça, c'est super. Mon Thiago, il veut jouer avec. Tu veux le remettre dedans? Vas-y, mon chat. C'est super. Et c'est cool. Je pense que la marque, enfin, je vais regarder, mais... les deux coques d'or, c'est la collection qui fait ça. Doucement, bébé. Ça y est, tiens, je te laisse. Ah, tu fais doucement, hein. Alors, désolé, hein, c'est un peu long, mais bon. Vous savez bien que quand on est maman, il faut qu'on ait des mains partout. 6e, miaou, miaou, ça colle. Donc, ça doit être une histoire de chat, je pense. Ça colle. Qu'est-ce qui colle? Ah, c'est peut-être des autocollants, peut-être. Oh, wow! 300 autocollants, mais c'est chouette. Oh bah ça, Thiago, il va être fou. Thiago, c'est quoi? Chat. C'est un chat. Miaou. Comment il fait le chat? Miaou. Miaou. Et toi, comment il s'appelle ton chat à toi? Touche. Non, mais le chat à la maison, comment il s'appelle? Maya. Comment tu dis Maya? Maya. T'es content? Regarde, c'est pour faire les activités avec maman. Oh, oh là là, il va être tout fou, il y a des chats partout. Il aime beaucoup les animaux, Thiago. Oh, c'est super. C'est canon, ce truc. Et c'est qui fait ça?
C'est Looping Edition. C'est super chouette. En plus, le design et tout, il est trop mignon. C'est cool. Merci. Tiens, Loulou. Il est content, là. Il empile, il dépile ses livres. Ça lui sert de jeu. Alors, et les deux petits bonus en plus, car ça me fait plaisir. Un 10 sur les paquets. Allez, gentil, elle m'a mis des petits bonus. Elle est trop chou. Happy Birthday. Bonus numéro... Ah, c'est le numéro 2. Ça, ça doit être le numéro 1. Bonus numéro 1, parce que tu es une maman au top et que tu as le droit à un petit cadeau. Il n'est pas parfait, mais fait avec le cœur. Oh, elle m'a fait une création. Déjà, regardez, ça m'a fait un petit bonbon. C'est trop chou. Bonbon. Ah, là, c'est trop mignon. Un bonbon. Non, mais c'est un faux bonbon, chérie. Des bonbons. Mais non, mais... Thiago, il croit que c'est... J'en peux plus de lui. C'est un bonbon. Non, mais c'est un faux, chérie, ça se mange pas. C'est comme un bonbon, mais ça se mange pas. Elle a dû me faire une petite création, je pense. Qui est toute bien emballée. Et moi, je vous détruis ça en 5 minutes. En vrai, j'adore les cadeaux. Faut pas le dire. Waouh, elle nous a emballé ça comme une chef. Bon, je pense que ça va prendre 3 heures. Donc, je vais couper la vidéo et je vous reprends tout de suite. Ah, regardez ça. C'est un... Un tsum tsum, non, c'est un maman. Un tsum tsum Stitch. Il est trop beau. Ah, j'adore. Stitch, c'est mon personnage Disney préféré. Ah, il est trop beau. Doucement, bébé. Doucement. Tu le perds pas. Attends, maman, elle montre et après, je te le prête. Ah, il est trop chou. Merci. Ah, tu l'as bien fait. Hein. Merci. C'est Stitch. Comment tu dis Stitch? Stitch. Ouais. Mon petit chat, merci, t'as géré, hein. Moi je suis pas capable de faire un truc comme ça. De toute façon, moi pour être manuel, je suis pas du tout. Et alors le dernier, mais je suis triste, j'aime trop les cadeaux, en tout cas tu nous as gâtés, c'est un truc de fou. Alors le dernier, c'est écrit Happy Birthday. Non, ça se mange pas chérie, c'est pas un bonbon. Ah ouais, parce qu'il a vu l'emballage en bonbon, du coup il croit que c'est un bonbon. Il est trop chou. Il va reposer sur mon buffet, en paix. Ou peut-être... Non. Parce que là, Thiago, il a accès à mon fond YouTube. Et du coup, j'ai peur qu'il y touche et qu'il me le perde. Donc du coup, je vais le mettre sur mon buffet en hauteur. Parce qu'il paraît que c'est bientôt son anniversaire. Ce n'est pas un jouet, ce n'est pas un jouet car je pense qu'il sera bien gâté. Il met encore quelque chose fait de mes petites mains. Oh là 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 là. Mais toi, t'as du talent, hein. C'est un truc de fou. D'ailleurs, il est beau ton papier cadeau, là. J'aime bien, ça fait librairie, un peu. Oh, c'est beau. Je vois à travers le papier bulle. Waouh. Ah, c'est super. Waouh. Regardez ça. C'est une salamandre. Avec le thé, waouh. Et en plus c'est dans mes couleurs, hein. Le vert, le bleu, l'argenté. Le visage d'une mère est pour son et pour l'enfant son premier livre d'images. Oh, ce que c'est beau. Regarde, c'est pour mettre dans ta chambre. Bobo. Hein? C'est un lézard. Non mais, regardez-moi, Joe la débrouille. Regarde les gens. J'en peux plus de lui, il me fatigue. Qu'est-ce que tu fais avec ta casquette? Waouh, c'est super beau, c'est classe. Non mais moi je t'admire trop, je suis pas capable de faire un truc comme ça. Moi je sais même pas... Non mais en plus tu l'as vachement bien découpé et tout. Moi je suis pas capable hein, de... Mais comment t'as fait pour découper l'enduit de bois? Ah non, à mon avis c'était déjà découpé et t'as collé et tu as peint. C'est peut-être ça. Mais t'as de l'idée toi, dis donc. C'est super beau. Et la citation. C'est trop mignon. C'est super beau. On va l'accrocher ça dans sa chambre. C'est beau. Ah, je suis ravie. Eh ben dis donc, tu nous as gâté de chez gâté. Attends, moi je t'ai pas gâté autant que ça. Hein. Voilà. Bon Thiago, tu viens dire merci? Allez viens. Non mais Thiago, il a été chercher des Kinder, tout va bien. Il a pris les Kinder à sa mère. Quoi? Attends. Alors. Tu dis merci à Séverine et à Juliette. Merci beaucoup. Des poupous. Pour les cadeaux. Oh.
pour les cadeaux. Merci beaucoup. Je t'entends pas beaucoup dire merci, hein. Comment tu dis merci? Bisous. Tu envoies des bisous? Envoie. Voilà, c'est gentil. Bah merci beaucoup, Céline. Je vais t'envoyer un message. Je vais lire ta petite carte parce que je pense que ça regarde que nous. Voilà, en tout cas, pour tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir la vidéo de Séverine et à vous abonner à elle si vous y êtes, si vous n'y êtes pas encore. Mais je pense que si vous regardez mes vidéos, vous êtes abonné à Séverine. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air parce que ça me fait trop super plaisir. Et n'hésitez pas à commenter parce que j'aime beaucoup vous répondre. On vous fait des gros bisous. Tu dis bisous? Ah, t'es gentil. Et on vous dit à bientôt. À bientôt. Dans une prochaine... Au revoir. Au revoir. Dans une prochaine vidéo. Vidéo.